problème de la vie du peuple. Il est très important d'élever au niveau suprême le rôle des députés dans l'accomplissement soucieux des affichages responsables et importantes du gouvernement de notre République. Les députés à l'Assemblée populaire suprême sont invités à se dévouer entièrement pour le développement de l'État et la réalisation des intérêts du peuple. Mon camarade Kim Jong-un a appelé tous à œuvrer pour le développement de notre grande patrie avec le patriotisme sacré, afin d'auréoler cette année de la victoire éclatante. Bonjour à tous et bienvenue sur la voie de la Corée. Voici notre bulletin de formation. Voici les membres du cabinet ministériel nouvellement élu à la 9e session de la 14e législature de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée. An Kyung-gun, ministre de l'Industrie mécanique. Lee Chung-chan, ministre de la Surveillance nationale du bâtiment. Chung Chung-chan, ministre de la Protection du territoire national et de l'environnement. Kim Gwang-jin, ministre de l'Achat et de l'Administration de Corée. Directeur général de la Banque centrale. À l'occasion du 75e anniversaire de la Fondation de la République, la ministre des Affaires étrangères, Cho Chang-kan, a reçu une message de félicitations de ses homologues cubains, laos, libanais, syriens, cambodgiens, philippins, turcs, iraniens, indonésiens, vietnamiens, bulgares, tchèques, polonais, saint-marinais, serbes, maliens, tunisiens, algériens et vénézuéliens. Les dessinateurs ont félicité chaleureusement les 65 ans de la République populaire démocratique de Corée et se sont exprimés convaincus du développement continu des relations d'amitié et de coopération entre les pays. Les succès sont remportés dans l'économie nationale. La tricoterie de Sundio introduit dans la production de nouveaux projets d'innovation technique des ouvriers pour augmenter le nombre d'espèces et rehausser la qualité des produits. La fabrique d'appareils d'éclairage Samsung s'efforce d'augmenter les espèces des produits par ses propres forces techniques. Elle fabrique plus de 50 appareils d'éclairage, dont plus de 80 espèces sont mises au point cette année. La pelleterie des rondes de Pugna met au point des produits variés conformes à la demande de la population. Surtout, les autres innovations techniques de cette fabrique jouent un rôle important dans le développement de nouveaux produits. La ville de Raton a accompli d'importants projets de construction pour le développement de la région et l'amélioration de la vie de la population. Ces derniers jours, la construction de la fabrique des uniformes scolaires et le réaménagement de la bibliothèque ont pris fin. La construction d'un bassin fiscal aussi est en phase d'achèvement. En 19e des Asiatiques, l'équipe de football féminin coréenne, Tricopté, est qualifiée pour les éliminatoires. Elle a battu par le score singapourienne au premier match par le score de 7-0 et au deuxième match par le score de 10-0. Classée première dans son groupe, l'équipe coréenne est qualifiée pour les matchs de l'étape suivante. Les joueurs coréens se sont classés deuxième au tir masculin à la tour de mobile et dimanche par ici. Les gymnastiques coréennes se sont classés troisième aux épreuves de gymnastique aux athlètes par ici. Par ailleurs, Kim Gwang-il a gagné la médaille d'argent au tir mixte individuel masculin sur la tour de mobile et dimanche et Moon Sung-ki aussi la médaille d'argent à la catégorie de compagnie de judo féminin. Kim Sujong a gagné la médaille de bronze au dépôt de générales individuelles de gymnastique aux athlètes féminines. Ainsi se termine notre bulletin d'information présenté par le groupe de Pouvoir Bakourou avec attention. On vous présente l'ensemble de la séance féminine, notre camarade Kim Jong-un.